Salut, c'est Patrick Hernandez et vous regardez Rock and Live. Rock and Live, to be alive. Born to be rock and live. Non, je pense qu'il faut toujours la garder, cette angoisse. Et je l'ai vraiment toujours. Ça fait un peu plus de 30 ans que je chante cette chanson Born to be Alive. Et j'ai toujours l'impression que je vais oublier les paroles, qu'il va se passer quelque chose de particulier. Donc je pense que cette angoisse que l'on a montée sur scène nous dimensionne quand on monte sur scène. Parce qu'on se concentre sur le fait qu'il ne faut pas faire de bêtises. Et ça, c'est vraiment très très bien. Il faut la garder et ça prouve qu'on est là, complètement en vie quoi, quand on fait ce genre de choses. Le jour où on se fout et où on n'a plus le trac, je pense que tous les artistes vous le diront, le jour où on n'a plus le trac, il faut arrêter. Quoi. Il faut rester chez soi. Tout à fait, je fais partie d'une bande, nous avons fait un film qui s'appelle Star 80 et donc effectivement on a fait un beau tour de piste avec ce film qui a franchement bien fonctionné et donc dans la continuité du film il y a une tournée qui commence le 1er février, c'est-à-dire très très bientôt. Alors je ne sais pas, la date sera peut-être dépassée, parce que je ne sais pas quand est-ce que va passer votre reportage. En tout cas, voilà, la tournée commence le 2 février pour 3 mois, et recommence au mois de novembre et au mois de décembre. Nous faisons une série de Zénith, nous faisons Bercy au mois d'avril, nous faisons 3 fois le Palais des Sports au mois de juin, l'inauguration du grand stade de Lille Métropole au mois de juin aussi. Donc c'est vraiment une tournée très tonitruante qui commence dans quelques jours. Et donc effectivement, il y a plein de choses prévues cette année. Je crois qu'on peut... Enfin, les artistes sont en général des gens passionnés à la base, donc on ne peut rien faire en général dans la tiédeur, on fait tout par passion. Alors moi j'ai la passion des choses de la nature, donc je suis un grand amoureux de tout ce qui touche la nature, tout ce qui touche la gastronomie, tout ce qui touche le vin. J'ai une petite fille de 6 ans qui est une fille. Pas une petite fille, je suis papa et donc grand-père, papa d'une petite fille de 6 ans, et donc ça c'est de la vraie passion. Et les choses de la nature sont tellement vastes qu'effectivement c'est un domaine dans lequel on peut plonger et dans lequel on peut même se perdre par moments. Mais voilà, bah, ce sont des choses qui m'intéressent. J'aime beaucoup l'histoire, je suis un grand amoureux d'histoire. Je suis comme mon camarade Woolsey, un amoureux du Moyen-Âge et de tout ce qui est médiéval. Donc voilà, j'ai beaucoup de passion en dehors de la musique, qui est une vraie passion, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis le chanteur d'une chanson qui s'appelle Born to be Alive, mais j'en suis aussi le compositeur, l'auteur. Donc ça veut dire que je sais écrire des textes en anglais, ça veut dire que je sais écrire des musiques. Donc tout ça est une vraie passion et qui tient beaucoup de place dans ma vie. Oui. Yes, we were born to be alive. Born to be alive. Yes, we were born. J'ai composé des choses, beaucoup dans mon existence, mais grâce à Born to be alive, j'ai su me mettre à l'abri du business pur. Donc en fait, j'écris des choses qui pourraient être chantées par d'autres, mais la démarche commerciale ne m'intéresse pas, elle ne m'a jamais intéressé. Donc en fait, j'ai beaucoup accumulé de chansons dans mes tiroirs, mais je n'ai pas fait la démarche d'aller les vendre à d'autres. Donc en fait, j'en ai peu, effectivement, qui sont représentées par d'autres.
Voilà, ça peut être aussi une demande. Voilà, si quelqu'un est intéressé par quelques chansons, j'en ai plein mes tiroirs, effectivement. Mais cette chanson Bande Bélave est quelque chose de tout à fait particulier. Donc ça m'a mis à l'abri du besoin, ça m'a mis à l'abri du business. Et donc, voilà, je privilégiais plus ma vie privée, mes passions, que le business pur dont je me fous comme de ma première chaussette. Et donc, effectivement, j'en ai peu vendu à d'autres, mais j'en ai plein mes tiroirs. Écoutez, j'ai été contacté par l'intermédiaire de mon agent, qui a soufflé très gentiment mon nom au producteur en disant, vous savez, Patrick est un garçon qui aurait sa place éventuellement dans le film, parce que la chanson est de 79. Donc effectivement, là il s'agit de Star 80, donc normalement je ne devrais pas y être. Mais d'un autre côté, dans le film, il cherchait une personnalité qui s'ajoute à la fin de cette programmation, donc de gens qui commencent par des petites salles, qui continuent par des salles un peu plus importantes, qui finissent par des zéniths et qui finissent par le Stade de France. Et au moment du Stade de France, on dit, tiens, il faut ajouter un nom, il faut ajouter une chanson pour vraiment ajouter un petit peu de muscle à la programmation. Et donc, effectivement, ils ont réagi dans le bon sens. C'est-à-dire, ils se sont dit, tiens, effectivement, Patrick Henry, ça peut être une bonne idée, parce que 79 ou 80, c'est la même chose. Bande Bélave avait une carrière un petit peu longue, donc ça a dépassé sur les deux. Et donc j'ai été contacté au travers de mon agent, qui est un des deux d'ailleurs, qui figure dans qui est celui qui est figuré par Anconina, et donc qui est mon agent personnel depuis 20 ans. J'ai été contacté par les gens du film qui m'ont demandé si je voulais participer à cette aventure. Et j'ai donc, pour la première fois, effectivement, participé à une aventure des années 80, puisque je suis plutôt convié d'habitude à des aventures des années 70. Alors, 79, effectivement, c'est très très borderline, donc je peux aussi figurer dans la 80. Et je suis ravi, parce que vraiment, c'est une aventure extraordinaire, et on a beaucoup ri, on a beaucoup déconné, et puis la tournée qui s'annonce, elle est vraiment sympa, quoi. Les salles sont pleines. Des mois à l'avance, il n'y a plus de place quasiment nulle part. Tout est plein, on rajoute des dates, on double les villes, donc c'est vraiment sympa. Alors, sans hésitation, mon meilleur pote, c'est un garçon avec lequel j'ai beaucoup d'affinités musicales, et c'est Alec Mention, qui est le chanteur de Léopold Nord, et avec lequel nous avons beaucoup beaucoup de points communs. Il a des affinités avec l'Angleterre, comme Woolsey d'ailleurs, qui habite maintenant en Angleterre et qui est très très influencé par la musique anglo-saxonne et la pop anglaise. Et nous avons les mêmes amours musicales. Et en plus, c'est un garçon intelligent, c'est un garçon cultivé. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'affinités avec Alec Mention, donc le chanteur de Léopold Nord. Et je suis vachement ravi que ce garçon nous rejoigne. D'ailleurs, il va manquer pendant le premier mois, mais il nous rejoindra pour le second mois de tournée. Et vraiment, c'est un mec bien. C'est vraiment un mec très, très sympa. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. Fait un peu partie du mobilier quelque part. Donc c'est-à-dire que la chanson depuis 79 a connu des hauts et des bas, et plutôt des hauts que des bas d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Et elle s'est standardisée tout seule, c'est-à-dire que maintenant, à la limite, cette chanson vit quasiment sans moi. C'est extraordinaire, c'est une chanson qui fait quasiment partie du domaine public, comme Au clair de la lune, ou enfin des chansons que tout le monde connaît, que tout le monde fredonne. Et
Moi, de temps en temps, je vais à la rescousse pour l'aider un petit peu, parce que de temps en temps, ça fait du bien de voir l'interprète, comme ce soir, par exemple. Je suis là, je suis présent, je vais interpréter la chanson et tout. Mais cette chanson a dépassé ces bornes-là, c'est-à-dire elle vit sa vie toute seule, et c'est une chanson qui est quasiment du domaine public. Donc ça, c'est quelque chose de très gratifiant et de très sympathique pour un auteur-compositeur de savoir qu'une chanson qu'il a écrite lui a échappé. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît, quasiment tout le monde, sans savoir trop qui a fait quoi, ou même... Moi, vous savez, je signe encore beaucoup d'autographes dans mon existence, mais il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi je ressemble, mais qui connaissent la chanson. Dans le monde entier, tout le monde connaît cette chanson, sans savoir à quoi je ressemble. En France, oui, bien sûr, parce que tout le monde connaît, on me voit assez régulièrement à la télé et tout. Mais dans les autres pays, ça m'amuse même beaucoup. De temps en temps, je suis au bar dans un autre pays, très loin de la France, et les gens me disent « Mais vous faites quoi dans la vie ?» Je dis « Je chante. » Imaginez, je chante. « Et vous chantez quoi ?» me disent les gens. Voilà. Et je dis « Je chante Born to be Alive. » Tout le temps et partout dans le monde, les gens me disent « C'est pas vrai, Born to be Alive !» Et oui, cette chanson est connue dans le monde entier, partout. Donc ça, c'est vachement gratifiant pour l'auteur, compositeur et interprète que je suis. Et je ne suis que l'humble serviteur de cette chanson, même si j'en ai écrit beaucoup d'autres qui sont très bien et qui restent dans mes tiroirs. Mais la grande satisfaction, c'est de savoir qu'à un moment, on a créé quelque chose qui va rester dans le temps. C'est-à-dire que dans 100 ans ou dans 200 ans, on dira « En 79, il y avait quoi ?» Ben, il y avait les Bee Gees, et il y avait Born to be Alive, et il y avait I Will Survive. Point. Au revoir. Et YMCA, si. Je les ai oubliés, mais voilà, ça ne dépassera pas ça. Alors, si vous venez sur mon Facebook et que vous regardez ce que j'écoute sur Deezer, vous verrez que j'écoute tout. Ça va de Rachmaninoff en passant par les Beatles, en passant par Obispo. J'ai vu le magnifique spectacle de Woolsey à Saint-Eustache qu'il a enregistré au mois de décembre. C'est magnifique. Donc, j'écoute Woolsey, j'écoute Rachmaninoff, j'écoute les Beatles, j'écoute Doobie Brothers, j'écoute Pascal Obispo, j'écoute de la musique en général. Et je marche sur la musique d'une façon épidermique, c'est-à-dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Je suis avant tout attiré, cependant, par la mélodie. Donc tout ce qui est hors de la mélodie a une tendance quelquefois à me fatiguer un petit peu, quoi. Mais tout ce qui est mélodique me plaît beaucoup. Et honnêtement, je ne marche dans aucune chapelle, quoi. Oui, bien sûr. Toujours le même message qui a été distribué il y a plus de 30 ans. Stay alive. Et quand j'ai écrit cette chanson, je ne me suis pas rendu compte à quel point Born to be Alive, qui est un parfait pléonasme et qui ne veut rien dire en anglais, enfin, qui normalement ne veut rien dire, veut dire autant de choses quand on analyse un peu la chose. C'est-à-dire que nous sommes tous nés, on est tous vivants parce que nous sommes nés, mais peu de nous vivent des vies intenses. C'est-à-dire to be alive, ça veut dire réellement vivre son truc à fond et le vivre jusqu'au bout, avec passion. Donc ça, c'est vachement important. Et c'est un message tout à fait humble et tout à fait naturel, mais
Être alive, ce n'est pas si simple que ça. Donc, stay alive.